La police italienne neutralise des noix de coco suspectes. Images, des suspects exotiques ont été neutralisés à l'aéroport international de Rome Fiumicino. La police a fait exploser un objet près des voyageurs avant de découvrir dans les restes de la valise des fruits de cocotier, d'après un journaliste qui a assisté à cet incident. À l'aéroport international Léonard de Vinci situé à Fiumicino, près de Rome, la police italienne a mis seulement 15 minutes pour neutraliser une valise suspecte qui ne contenait que des noix de coco, a annoncé un journaliste indépendant sur Twitter. Il y a tant de choses à propos de cet incident que j'ai apprécié et qui me semble très italienne. Ils ont fait exploser ce qu'ils pensaient être une bombe au milieu de l'aéroport alors que les gens se trouvaient à une dizaine de mètres, puis quand elle a été détruite, la police est partie et l'a laissée à nettoyer, a écrit le journaliste Ned Donovan dans un message. Avant l'explosion, les représentants du service de sécurité ont invité tout le monde à se disperser, mais de nombreuses personnes sont restées dans la salle. Ces gens ont gardé leur calme même après la déflagration qui s'est produite à une dizaine de mètres d'eux. Sur Twitter, des utilisateurs se sont moqués de l'excès de zèle dont a fait preuve la police aéroportuaire.